Qui était 19 septembre, là, environ 8h30 le matin, individu armé par l'IV identifié, eh bien, Étienne Souffre, homme d'affaires, ça, et dans machine ni dans Delma 40B, victime, là, que tout le monde connaît sous nom ça, qui c'est Tarek. Tarek, c'est un membre administration supermarché et Delma 2000. Victime, là, qui était dans machine ni quand l'individu même armé est arrivé bon machine, là. Une machine longue croiseur couleur blanche sans plaque immatriculation ouvert feu il ouvert coup de balle sous machine citoyen ça et il a éteint la ville selon témoignage en pile monde gang armé qui continue à défiler dans pays là continue à terroriser la population continue à mettre l'état en défi continue à kidnapper monde à tuer monde chaque jour qui passe et qui passe suspendre la guerre de l'eau nager et population haïtienne non c'est ça j'en dis là homme d'affaires ça Tarek tout le monde connaît selon ça qui était un membre administratif supermarché Delma 2000 que bandit tout hier très tôt hier dimanche dans le niveau Delma 40. J'en t'ai dit à Jérôme Sévère côté hier là autorité bon on dit hier week-end là week-end samedi à là et ça j'en t'ai parlé qui opération la police menée dans le niveau cette ville quoi des bouquets et la police qui portait certaines informations concernant opération ça en on venir avec ça la police les mêmes dit concernant opération ça après opération ça mais qui information la police a partagé et ensemble avec la population. La police nationale a démenti Siri mais cap ce qu'il qui voulait faire quoi gain plusieurs policiers qui blessés dans opération la police t'a mené dans centre-ville quoi des bouquets journée samedi 18 septembre là pour déloger bandi qui pas suspend terroriser population toutefois gain un policier qui blessé par balle dans bras gain disposition qui était prend pour mener l'hôpital état santé stable pour kounia gain disposition qui prend pour renforcer présence la police dans ville là et puis opération pour continuer nos objectifs pour neutraliser toute menace. Bandi armé ça représenté pour population civile là. La police nationale a encouragé population pour collaborer dans communiquer le bon genre information. Ça permet de faire travail et puis bien. Bandi armé tourné un véritable cancer cap détruit communauté yo. C'est dans mais avec la police n'a pas réussi quoi puis phénomène insécurité qui a affecté toute famille qui voulait vivre dans la paix et la tranquillité. N'a toujours été dans même chapitre ça là la fois arrivé dans département sud pays y a dit bien non et nous va regarder ça avec comment la police était même posé la patte sur divers autres individus dans Cavaillon et la police qui posé la patte sur trois présumés bandits samedi qui était 18 septembre 2021 dans localité Léandre qui c'est 5e section communale Cavaillon mais comment trois bandes présumées bandits sont relées? Première relée, Paul Gaines, Forestal, monsieur Tavive, village de Dieu. Gaines, deuxième, nan, c'est Ronaldo Gisma, 22 l'année, monsieur Tavive, Pétionville. Et troisième, nan, c'est Chene Destiné, 29 l'année, qui Tavive, village de Dieu, ça veut dire l'année où Tavive. Mais, yo, t'apprends là, quelqu'un là, nan, Cavaillon, nan, département du pays. La police qui était soupçonnée, monsieur Sao, nan, la mort. Un assassinat, monsieur ça, quel Claude Périclès, 75 l'année, et Roseline Pierre, 23 l'année. Et monsieur ça, tout, y a même la police qui a arrêté l'action avec un pile matériel sur yo, y a une somme de 450 000 dollars, on a dit, pardon, alors, mais écoute, donc, mais vous me comprenez bien, 450 000 dollars achetés. Alors, haïtien, vous me dites bien, la police tout qui a arrêté l'action avec plusieurs armes sur yo, et y a un pistolet, Mac Sassilmaz, calibre 40 série, T11-0-21-8-BV-05-166+, et yon chargeur, yon pistolet Smith & Wesson calibre 9 mm série FYK-55-95, yon revolver calibre 38 et yon speed loader, 12 cartouches calibre 40, 18 cartouches calibre 38, 3 cartouches calibre 9 mm, yon cartouche calibre 5.56, selon ça, la police dit non ça a arrêté sous monsieur ça monsieur ça jeune sous yo et il y a dimanche qui était 19 septembre 2021 la police au jeune cadre opération que qui portait nom marché préyo mais qui équipe on dit unité qui était mélangé plusieurs là-dedans qui était gagné BLTS avec garde-côte dans sud il y a qui mène opération dans Ilavache côté yo saisi 13 kg marijuana yo saisi dans un citoyen qui est né Julien Petit
Monsieur qui fait 10 mai 1972 dans Cavaillon que la police a arrêté monsieur et Joël Pounia tout ça qui dans main autorité judiciaire policière tout on dit bien dans main autorité la police DCPJ il a transféré tout ça tout à l'heure comme ça pour capable venir répondre question autorité concernée sur ça il joint dans main tout ça côté il a arrêté avec yo nombre de 10 kg marijuana monsieur qui est les Julano Petit c'est plus agent BLTS mélangé avec agent Gardecôte qui dans cadre d'opération menée ben qui est les marchés près yo côté yo poser la porte monsieur là et la vache n'avance avec information question de sécurité non toujours journal méga matin toujours dossier sécurité réaction avec ancien député Prétin Belizien qui t'a réagi sous problème ça les critiquer l'état qui d'après les pas jambes pour montrer au gain volonté pour freiner phénomène insécurité à principalement à quoi secteur privé a pas innocent dans situation ça par rapport à commerce zam dans pays Prétin Belizien quoi problème là doit gérer depuis dans douane pour bloquer trafic zam nan en côté Prétin Belizien dans micro mané samedi nous payer taxes pour que nous capable joindre sécurité pour que moun ki dans l'état qui gen autorité pour capable vraiment assurer sécurité tout citoyen dans pays malheureusement ce sont des autorités qui démissionnent des responsabilités yo. Et je dis en là tout les n'a gardé volume zam qui gen dans pays munitions que l'ensemble des groupes armés ça yo gen chaque jour à utiliser à tirer toute journée toute nuit. Première question pour nous poser tête nous qui côté qui aurait moyen non seulement pour acheter des armes et deuxièmement pour alimenter tête yo en termes de munitions. Yo pas gen contrôle douane yo pas gen contrôle port yo et ce sont des jeunes au niveau des quartiers populaires yo même manger ou pas capable manger petit ou pas capable l'école et jodi an là nous gagne des moun au niveau du secteur privé des affaires nous pas dire tout le monde dans secteur privé des affaires là jodi an là qui gagne intérêt dans toute instabilité qui gagne dans pays hein. Problème insécurité qui est dans le pays, il y a un intérêt là-dedans parce que les gens qui ont l'argent dans le pays, c'est eux-mêmes qui ont le contrôle douane, c'est eux-mêmes qui ont le contrôle port. Donc, Zamza, il faut questionner l'État pour nous demander qui côté Zamza est sorti. Et je dis toujours moi-même, pour question insécurité, pour arriver à éradiquer, donc, il faut que tu aies un travail qui fait en amont d'abord. En amont, c'est-à-dire, c'est identifier source d'alimentation quartier populaire à travers des armes, à travers des munitions. Et pour nous bloquer sous ça depuis là pour nous bloquer sous ça depuis dans tête li deuxièmement en aval c'est désarmement et son désarmement qui doit fait à travers des responsabilités sociales que autorité étatique nous gagne d'abord problème nous pas jamais arriver résoudre li tout autant que nous pas poser problème social qui gagne au niveau des quartiers populaires. Et voilà, ça c'est déclaration. C'est député 3e circonscription de Port-au-Prince qui s'est prétend en Belizère. N'a toujours été dans la question qui est pour avec la question de sécurité, n'est qu'examen qu'a fait et défait en deux pays. Selon collaborateur, nous, Guino Duvernier, mais n'a pas tout à l'heure pour plus de détails. Écoutez, il fait qu'on est que jeudi qui était 16 septembre, n'a souhait pour l'ouvrir vendredi 17 septembre 2021. Individu pas arrivé identifié, rentré la caille, directeur police département nord-est là. Commissaire Demanga Westman dans Fort Liberté, yo prend yo galine 3 armes 9 mm ak plusieurs autres armes, yo prend deux uniformes police, yo prend yo gilet, yo botte. N'a rappelé samedi qui était 18 septembre 2021, bien fait exactement des DNEA les mêmes 3 mois depuis li installé la tête police dans département nord-est pays. Ça veut dire mes amis, nego tellement gen pouvoir, nego entre la caille, yo directeur départemental police. Yo prend zam. Tade bien combien zam yo prend? Yo prend yon galil, yo prend 3 zam 9 mm ak plize lot zam, yo prend 2 uniformes police, yo prend yon gilet et puis yo prend botte. La caille, directeur départemental police départemental nord-est là qui c'est commissaire Demang Westman. Avancer avec notre information sévère. Ah, dimanche, ça fait 35 l'année depuis moniteur programme alphabétisation. Charlot Jacqueline était disparu dans le pays pour commémorer date sa petite garçon, le Charlot Jacqueline Junior, organisé une cérémonie sous passe Mathieu sous Chan Mascotte, déposé fleurs, prononcé discours et latrier. Une cérémonie qui était déroulée en présence vice-président académique Créole la paix, Michel France Grandois, un ancien collaborateur victime qui pas caché indignation. Reportage Jean-Philippe Massier. C'est le 19 septembre 1986, nouvelle lagaille dans toute Port-au-Prince, militaire, arrêté Charlot Jacqueline dans la cité soleil, pendant le tapement très grand monde
dans le programme alphabétisation époque ça. Père Michel Franz Grandois, ancien collaborateur, songez vous ça tant qu'aujourd'hui. Moi pas jamais oublié après-midi ici là, côté plusieurs camarades Charlot, et une fois nous connaissons le bureau central Mission Alpha, le ALP Charlot. Même le ça, ça l'était et ça l'était, comme il y a déjà ça, nous faisons tout le monde monter dans l'Isuzu direction. Nous allons faire l'autre bagage parce que c'est la vie même, tout le monde dans ce qui est précieux. Malgré qu'il ait commencé à faire noir, il a couru à porter toute prison dans la capitale là. Passé Kazen de Saline, commandant Jean-Claude Paul dit le bagage monde comme ça sous l'ISLI. Passé pénitentiaire Fonds National, rivé Fonds Dimanche, il était le Fonds dans mon époque là, commandant Pognon, bah même réponse là. Autorité dans l'époque là, tu fais quoi? Citoyen ça n'a pas jamais existé vrai. Président pays a même proposé, le Fonds de la Boulie, il dit comme ça, Charles ça n'a pas existé, c'est une légende liée. Nous descendons obligés de retourner à la télévision pour montrer Baptiste. Superviseur Alpha, Charles Jacquelin. Mais finalement, puisque nous ne pouvons pas jouer aucune information, nous ne pouvons plus que disparaître, Là, à partisan, nous commençons à comprendre, l'unité alphabétisation disparaît tout bon vrai. Environ 10 mois après, soit 6 novembre, dans l'occasion baptême Charles Jacquelin Junior, société civile a profité de rencontrer. Il planifie pour vous piler béton. Je demande à Père Aristide, il fait baptême dans l'église Saint-Joseph. Mon petit bébé, il peut tenir Charles Jacquelin Junior. En même temps, nous sommes rencontrés personnellement, président et secrétaire exécutif, toute organisation société civile là, avec chef parti politique, avec opposition, déclenchement, une manifestation générale contre ce noyau. 7 novembre, plusieurs milliers nous prennent la rue pour protester. Une date historique dans l'histoire de mobilisation PIA. C'est une avalanche femme et garçon décidé, indigné, révolté, qui parle dans l'ordre et discipline déployée dans la rue de Port-au-Prince. Il y a un quartier général Lamea, entouré par le national là, pour le dire non, dans nous Charles vivant. Non, le 19 septembre, non, pas qu'à passer sous silence. Petit garçon Charles à quoi nous pas d'oublier sacrifice Mounsayou, qui malheureusement 35 ans. Année après, paraît en vain, environ 3 décennies, mauvais choix, nous la guine n'en fait noir pire raide. C'est crime, assassinat qui continue à résoudre différenciaux. Je dis à c'est le vent pour nous garder. Nous pas qu'on doit continuer à garder derrière. Et pourtant, tout signe montré, nous casser tête tournée très loin derrière. Le pays est plus que jamais divisé. De Dessalines à Jovenel Moïse, de Charlot Jacquelin à Maître Dorval, de tous ces noms retentissants au sein anonyme dont on ignore les visages et les noms. Nous avons fait le douloureux choix de gérer nos différentes opinions par le même. Secteur politique là, tourner en jungle, yon champ bataille, chien mange chien, côté tout le monde a perdu. Même constat pour Père Grandois, qui continue à militer pour respect de monde, regrette sans continuer à couler dans le quartier populaire. Vice-président académique Rolla pose tête les questions sous bonne volonté politicien yo, qui semble pas gagner un petit cal conscience. Je dis à nous, plutôt que parler national, l'arrêter vide, mon petit bout de temps, parce que vous avez continué à abriter voleurs, piégeurs, démagogues, à politiciens sans conscience, qui a conduit le pays à notre tête falaise. Mais combien de diables bâtards qui viennent chiter dans ces belles têtes politiciens qui empêchaient faire alliance pour nous reconstruire le pays dans notre base, dans même ligne qui te permet d'être nous à Grimaud, viennent faire un seul pour casser chaîne l'esclavage là. Malgré constat ça, yo, Charles Jacquelin Junior Kouen, Massio Padou Pédi Fri Sacrifice ça. Yon jou la bjou, kote tout roche ou ap nan dlou, pap gen yon kap nan soleil. Zansèk yo pap perdi bataille yo te mene yon. Massio, pap perdi sacrifice yo fè pou la vie milyon. Pap haïtien, pap perdi wout li. Ni, ni pap perdi plasti nan l'histoire. Yon apil, si la yon ki mouri ou bien disparèt nan troupe politik apre bataille 86 la, poutan, pep la te kwe, krim, assassinat politik te fini. Si yon ta pren cité, nous pas jamais fini cité non jeune femme avec jeune garçon qui disparaît c'est tout dans quartier populaire tant que cité soleil belé rabouto et latrier là encore dans 3 dernières années nous perdons un paquet l'autre monde tant que Néhémie Joseph Antoinette Duclerc Monferrier Doval et latrier est-ce qu'un jour
et qu'on est pendant tout week-end là nouvelle là ces situations compatriotes nous yo dans pays États-Unis qui ont même à traverser les frontières Mexique pour arriver aux États-Unis. On a parlé de Texas précisément, bien autorités américaines ont décidé là Kembela les portes 13 000 immigrants mais pas pile là aussi haïtiens et ont décidé tout vous pimper par voir ici en pile compatriotes haïtiens ça qui depuis hier dimanche là ont commencé avec 10 questions déportation. États-Unis déporté environ 290 haïtiens hier dimanche dans l'aéroport Toussaint Louverture. Majorité là d'ailleurs était sorti Chili à Brésil, té rentré illégal sous territoire américain dans zone Texas. Une déportation illégale d'après quelques compatriotes sayo qui critiquent le comportement d'État haïtien. Yo dit qui a accepté États-Unis pousser de sans aucun principe pas respecté. Haïtien ça au fait qu'on est yo passé plusieurs jours prison avant mettre yo un avion forcé retourner en Haïti. En côté quelques de nos micro collaborateurs nous Jean-Philippe Massé. Moi j'ai 6 ans Chili, pendant mon Chili, j'ai accès au yoba opportunité de vous faire petit dans pays là ou quand entrer aux États-Unis, il y a bon TPS à cause de ça moi entrer à faire petit moi. Les entrer immigration aux États-Unis prend, yo fait dossier pour moi. Après yo mettem dans salle pour me tendre yo mon analyser dossier là, il pendant y a pas analyser, il y aurait l'aime pendant deux fois pour yo libérer. Après yo tourner à dossier là, yo pas libérer. Après na demain matin yo vini yo cité nom yo transféré mi l'autre côté après yo metté dans avion yo dit comme ça yo va le Florida avec yo va le jeune famille et puis il l'aime garder moi c'est Haïti venu sans que yo pas bon lettre déportation bon pour bien dire ça coûte nous en pile pour moi même li coûte $10,000 est-ce que c'est toute famille qui déclare toute famille parce que c'est famille yo mandé États-Unis c'est famille de pour arriver à famille il a libéré au vite. Bon, pour bien dire, nous-mêmes qui victimes de ça, c'est l'État haïtien qui cause ça. Parce que nous n'avons pas un pays dans le monde là pour passer une lettre de déportation pour nous déporter. L'État haïtien signe une déportation pour nous, nous-mêmes ça nous pas connaît. Il signe une déportation pour nous. Oui, il signe une déportation pour nous parce que nous avons une lettre de déportation. Moi, l'État pays a eu la même chose, je ne vais pas lever là, je suis obligé d'aller. Je ne sais pas comment pour la route là, pour faire aller, donc c'est $10,000 américains en tout. Pas bon tout non, mettez le $10,000 environ, il quand même plus. Mon cher, route là c'est route machine niée, c'est passé par Bolivie, Pérou, Colombie, tout pays là pour entrer par Panama. Mais côté route là qui vous le donne, c'est dans forêt là. Dans forêt, on va passer dans de l'eau. Et là qui vous le montre, vous savez les routes mortelles. Allez vous passez là où vivent, où sont les routes. Et vous savez regarder où ça. Là où vient Mexique, on y a là, y a pas en liberté, on y a là. Liberté que vous avez là pour tout le monde. Entrez sur les frontières américaines. Dans la fête de votre fête, illégalement. Parce que à nous, oui, vous sortez avec nous, si vous avez pour nous parler. Là où vous venez à l'époque là, c'est où vous parlez de chercher, vous cherchez pour vous mettre nous aller pour nous parler. Là que nous allons, nous ne pouvons pas descendre, nous descendons. Vous faites un genre pour nous calmer, nous fermez tout, vous fermez bus avec nous. Tout le monde, battre mesdames, messieurs, américains, prenez une note, gros minute, foutre mesdames, coûte minute, messieurs, coûte minute. Barrez tête chargée. Nous arrivons aux États-Unis, fermez nous. Pour nous capturer la guerre. Fermez-nous dans la prison. Mettez-nous, faisons 4 jours. Dans la prison, 4 jours sans bosser, sans bien frère. Et bien, ils allaient demander à terre, sous gagner à nous. Nous sales. Nous sommes tout le monde après, tout le monde sale. Bon, soit Haïti qui était très loin depuis 2013. Je suis prêt à Haïti, je suis arrivé à Haïti parce que nous avons oublié le système de vie à Haïti avant bien. Mon cher, on sait que je suis à Haïti. Je suis pas tout le Chili. Parce que je suis définitivement tout le bagage et ça fait les résidences. C'est permanent, là, définitif là, il y a un truc barré. 6 heures. On a écouté intervention plusieurs compatriotes haïtiens, autorités américaines ont déporté plusieurs là, d'ailleurs, fait qu'on est $10,000. $10,000, ils ont dépensé, mais on a là, c'est où ils ont atterri. États-Unis, c'est ici qu'ils ont atterri. Et c'est 6 vols par jour à Haïti pour recevoir dans l'aéroport international d'après le coordonnateur général de l'Office national de migration Jean-Nego Bonheur qui fait qu'on est ONM mobilisé pour porter assistance par les déportés qui continuent de venir dans le pays en côté de l'ami Jean-Philippe Massé. Ce sont quand même nos compatriotes. C'est vrai que la situation est vraiment compliquée en Haïti. Je vous le concède, mais cependant, puisque l'ONM est là pour accueillir les migrants de retour forcé, nos équipes seront partout, que ce soit à travers l'aéroport de Port-au-Prince, que ce soit à travers l'aéroport du Cap. Et laissez-moi vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, on aura à recevoir 3 vols au niveau de l'aéroport de Port-au-Prince et 3 autres au niveau de l'aéroport du Cap. Donc ça veut dire que c'est 6 vols par jour que l'ONM aura à recevoir
et sur Haïti. Vous voyez, donc nos équipes sont déjà mobilisées à travers tous ces aéroports-là, justement, pour accueillir les migrants de toutes portées. Mais le problème, c'est que les gens n'acceptent pas le retour forcé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont laissé le pays, parce qu'ils ne voulaient plus vivre à Haïti. Donc ça veut dire de toutes les façons, même quand on disposerait normalement de centres le plus grand, le plus vaste au monde, le plus bien équipé au monde, ils n'allaient pas accepter, parce que pour eux, Haïti, c'est l'enfer, Haïti, c'est le propre problème. Mais nous autres, nous avons le devoir, comme je viens de vous le dire, d'accueillir nos migrants dans la dignité, et c'est ce qui est en train d'être fait. Auparavant, à mon arrivée, les gens cessaient de à se faire enregistrer, mais aujourd'hui, non seulement ils attendent, ils ne sont plus exposés au soleil, mais aussi il y a des sièges qui peuvent s'asseoir. Vous voyez, et il y a quelque chose aussi qu'on leur donne à manger. Donc c'est pour vous dire que nous autres, au niveau de l'Office national de la migration, sommes très conscients de la situation et nous essayons de faire de tout, et nous essayons de faire de tout notre mieux, justement pour venir en aide aux migrants de retour forcés en Haïti. À partir de demain, ce sont 6 vols par jour qui vont revenir depuis les États-Unis vers Haïti. À partir de mardi, ce seront vraiment 6 vols. Pour demain, on reçoit encore ici à Port-au-Prince, demain le 10. Et à partir de mardi, on recevra non seulement à Port-au-Prince, mais aussi à l'aéroport du Cap-Haïtien. Et voilà, ça c'est déclaration coordonnateur général ONM, qui c'est Jean Négo au bonheur, lui-même qui t'a parlé dans le co-collaborateur de Jean-Philippe Masséan, gagné Andy ambassadeur Haïti accrédité dans le pays états-unis, qui c'est Edmond Bouchit, mais qui lui-même écrit ce contenu de liste face à la situation ça. L'ambassade là suivre avec la peine, tribulation, free access New York en bas pour nos frontières pays Mexique et États-Unis. Nous déjà écrit autorité américaine DHS Grove sur CASA et nous avons travaillé avec quelques organisations qui ont supporté immigrants pour nous assurer que les droits à la dignité respectés à qui ont un traitement selon ça, la loi a dit. Et c'est ça comme parole Edmond Bouchit lui-même l'a dit, qui est ambassadeur Haïti accrédité dans le pays États-Unis, mais dans tout c'était ancien ministre Affaires étrangères à culte. Toujours dans le même dossier, ça, faut nous dire que NBC News qui était annoncé semaine passée, hein? Administration Biden non apparaît pour augmenter déportation haïtienne qui illégale. Autorité américaine a mis 10 avions disponibles seulement pour déportation. Gain 8 cap commencé semaine ça selon médias américains. Si la situation compatriote haïtienne que autorité américaine a pimpé, voyez pas ban en Haïti. Gain premier ministre paysan qui c'est Dr Ariel Henry qui exprimait être chargé le gain devant situation ça. Chef gouvernement fait qu'on ait passé instruction by autorité haïtienne concerné ici coup le bordel pour enquêter sur situation ça. Et bien je une famille pour accompagner compatriotes ça yo. Ariel Henry continue de demander tête ensemble pour paysan qui a stabilité dans organiser élection pour empêcher petit paysan continuer quitter pour mauvais la vie. En côté chef gouvernement paysan docteur Ariel Henry, même action yo ici tant coup le bordel, c'est avec un peu la peine m'a regardé sur les réseaux sociaux ak nan télévision et puis nan tande nan radio tribulation à pénitence frais ak chenou a subi nan frontière pays Mexique ak États-Unis. Image sa yo simen la troublage nan ke nou et puis touche dignité tout haïtien. Qu'est-ce que soit sa yo pense, quel que soit côté yo. Pendant nan constate bal cité frais ak chenou nan pays sa yo,